Bonjour, c'est Gary Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait des picotes pour un Anutrophe Terre au retrait PM PVM Farm. On va viser un jet aussi bon que possible de neutre, on s'en fout un peu, avec dommage distance. Voilà, donc on a 87 depuis. On va commencer par une Ravie qui passe. Je vais venir Pacha et Pod pour avoir le perf Vita. Hop. J'ai presque envie de Passa. Moins 9. Ça, c'est l'avantage de la sagesse à 30, c'est qu'on peut assez facilement chercher des over. On va y aller également comme ça. J'ai un petit moins 3. Ok, j'ai un moins 6 qui est sorti. Alors ça a le mérite d'être original. On va mettre les petites réfixes une fois et deux fois et plus 1. Regardez comment on récupère parfaitement. Attendez, mais ça, c'est une tenta full perf direct, ça, je reconnais. Deux crit. Ok, j'ai un petit moins 7. Mais attendez, mais c'est insane, hein. En termes d'initiative, comment on gère le truc? On a moins 3. Bon, l'initiative, elle est pas maxée, c'est pas terrible. J'ai 53. En soi, là, j'ai 8 depuis en rab. Je peux essayer de bidouiller l'ini un peu. Parce qu'après, là, il y a juste les deux neutres. Le malus de fuite est maxé. À la pod, je peux avoir un moins 16, je crois. Ah non, je vais avoir un moins 25, je dis n'importe quoi. Ouais, non, c'est pas ouf. Je vais mettre des runes innées, tiens, au pif. Runes innées. Bon, c'est correct. Je peux encore chercher de l'inni. Là, j'ai un moins 1. J'ai 49, je peux encore en mettre une. Ok, elle passe pas. Ok, bon, du coup, j'ai 3 tentats dommage distance. Et ça, c'est quand même plutôt stylé. Ah! Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 86 depuis. Allez. Oui. Allez. Nice. Bon, c'est pas incroyable, mais ça passe. Ok. Oh, j'aurais presque pu mettre une rune ini, mais. Je vais go d'eau, terre, d'eau, eau. Moi... Eh, mais attendez, c'est des sacrés tentacles qu'on enchaîne là. J'ai 64, donc j'ai 4 depuis en rab. Dommage. Dommage. 4 de perdis. 1%. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On n'a pas le PM. Bon, le PO, je peux m'en servir pour essayer d'aller chercher du full perf et trans. Et avec le PM, on peut essayer de faire de l'exo conventionnel. On verra comment ça se passe. Ok, moins 5, la pod, hop, je compte pas du coup, juste je regarde si je peux avoir du perf, mais bon j'y crois moyen là, ça me paraît un peu compliqué. On va y aller comme ça, la petite réfixe. Ouais, faut une autre réfixe du coup. Voilà. Ça va être un peu short, hein. Ouais, sans surprise. Tant pis. Allez, le PO, on y croit, il me faut la passa. Bon, bah c'est déjà mort, hein. J'aurais pu récupérer à la réfixe, mais non, en fait. On va y aller comme ça, moins 11 forcément. Petite pacha, une fois, deux fois, la réfixe. En soi, il manque pas grand-chose, mais je doute qu'on puisse terminer. Eh oui, il manquait une rune. Tant pis. 85 depuis. Allez, il va falloir le moins 5, moins 6 à l'ini. Et ben voilà. C'est très simple en fait. Tac, moins 10, on n'oublie pas de le compter quand même. Ça peut poser des problèmes sinon après. On va mettre une petite rafo, une pacha. Mais écoutez, ça part bien.
Ok, bon, l'ini est pas trop mal comme ça, on verra. En fait, à chaque fois, l'ini, je peux essayer de la soigner un petit peu, selon le puits que j'ai en rab sur les tentats dommage distance. Moins 10, moins 2. Voilà, là, typiquement, j'ai 50 de puits. Je peux mettre une païni qui passe. Faudrait un truc. Ouais, bah je vais mettre une réfixe. Hein. C'est clairement la meilleure chose à faire. Bon, ok, c'est pas mal du tout. J'ai donc 3 tentats de dommage distance. Ça passe pas. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Allez, on y va. Bon, les PO, je compte pas trop. On va mettre la Passa, la Pacha. Hop. En soi, je pense que je vais accepter du moins moins 2 vita, ça devrait être ok. Bon, ça peut peut-être valoir le coup de compter pour voir si je peux mettre une pavipode. Du coup, on était à 48 rapidement. Hein. Moins 9, moins 3, moins 2, moins 6 et moins 10, il me reste 18. Non, en soi, je peux pas vie. Et je peux même doperdi. Et PO qui passe. En soi, c'est pas magnifique, mais. Bon, toutes les stats offensives sont maxées, quoi. Pour du PVM, c'est quand même pas mal. Ça coûte cher de trans sur un jet qui est pas ouf comme ça, mais d'un autre côté, ça me fait gagner pas mal de temps. Et après, bah, si je vais farmer, je compense les kamas de la rune trans, vous voyez. C'est quand même assez capricieux les deux perdis. Hein. Sur beaucoup de tentacles que j'ai, il y en a pas beaucoup qui passent. Je suis un peu embêté parce que la Vita et l'Ini sont pas très belles, mais. Bon. On est en Nénu retrait PM, personne nous touche en fait. Évidemment. Alors attendez, je dois avoir des runes trans quelque part. Hop. Oups. On va se la crafter direct. Petite rune trans toute fraîche là. Hop là. C'est bien signé. Il manque les deux neutres. La fuite est bien à moins 5. Bon, c'est correct, c'est correct. C'est correct. Je retryharderai peut-être un meilleur G, mais là j'ai tellement de stuff à sortir que je vais pas faire le. Je vais pas être trop ridicule sur des mini-valeurs. On n'est pas en PVP, on est en PVM là, donc on va pas forcer. Allez, ça ira, ça passe. Tac, dommage distance. Pour Enutroph, PVM, qui ça me servira aussi pour du farm de l'arène des voleurs, des trucs comme ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.